Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de démonstration comment changer le guidon de votre 50. En l'occurrence ici c'est une MRT 50. Voilà, vous avez vu dans une précédente vidéo comment retirer la poignée. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Il faut faire de même pour la seconde poignée. Seulement sur la poignée avec la poignée d'accélération, vous avez ici, d'accord, un petit trou dans le guidon qui permet à la poignée avec cet ergot-là. Voilà. Attendez, je vous le fixe. Avec cet ergot-là, ici, qui rentre à l'intérieur. D'accord? De ne pas glisser lorsque vous accélérez, de faire en sorte que celle-ci ne tourne pas. Nous devons alors opter pour deux solutions. Soit ici, nous limons le petit ergot ici, mais attention, on peut casser l'ensemble de la poignée. Soit nous optons, lors de l'installation donc de ce guidon rouge, en l'occurrence, nous optons pour percer ici, au même niveau, d'accord, dans l'alu, un petit trou afin que l'ergot rentre dedans. Très bien, alors là nous sommes en train de percer le petit trou dans le guidon. Vous voyez, c'est tout simple, on est même posé sur un carton. On a une simple perceuse, voilà, avec un foret métallique. C'est de l'alu, donc ça va tout seul. Ça fait des petits copeaux, donc je vous invite à mettre des lunettes. Et c'est une simple visseuse-dévisseuse qui suffit à percer le guidon. Il faut faire des avant-trous progressivement avec des autres forets plus petits. Et ici, on est avec le foret final. Voilà, et je vais vous montrer pour percer le trou final du foret. Voilà. Tac, c'est parti. Voilà. On a fini le trou qui est ici. Voilà. On n'a pas d'atelier, on n'a rien du tout, on a fini le trou et maintenant l'ergot devrait rentrer dedans. Alors maintenant voilà, nous sommes dehors, allons vérifier voir si l'ergot est suffisant pour rentrer à l'intérieur du trou que nous avons fait. Hop. Voilà, il bouge plus. Ça semble être pas mal. Ou il faut que j'agrandisse un petit peu. Non? Voilà. Impeccable, voilà comment vous pouvez installer votre guidon.